tout. Bon, salut tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous faire voir le gagnant de la Gaz-Gaz. Salut, Armand. C'est moi le regagnant. Ouais. T'es content d'avoir gagné une moto pour 20 euros? Non, pas du tout. Non, si, franchement, c'est un truc de ouf. J'y croyais pas. Donc voilà. Alors, t'as un compteur d'heure ici. Attends, tu peux me tenir la moto? Il n'y a pas de béquille par contre. Ouais, bah oui. Il n'y a jamais eu de béquille. T'as un compteur d'heure d'ici. Quand elle est éteinte, la moto, t'appuies comme ça. Hop. Là, c'est total pour un total. Voilà, total. Ok, donc 93 heures. Ok. 93 heures. Le piston a été fait à 60 heures, je crois. Hein. 55, 60 heures. Ok. Donc, ouais, il n'a même pas 50 heures. Ouais, t'as encore le temps. Et donc, si tu veux savoir pour ta vidange de boîte, tu rappuies une autre fois jusqu'à. Non, attends. Pourquoi ça ne me met pas? Partiel. Voilà. Ok. Et là, c'était temps partiel. Donc là, par exemple, elle a 30 minutes la boîte. Ok. Tu vois, 30 minutes. Ensuite, tu appuies là. Tu te mets en partiel et ensuite tu restes appuyé. Ouais, pour une quand, voilà, tu restes appuyé et ensuite tu arrives. Tu fais la vidange, si tu roules, on va dire tranquille comme moi, tu vois, genre tu fais tout le temps dans les tours et tout, que tu fais que du bas régime et tout, tu peux faire entre 15 et 20 heures. Okay. Tranquille. Alors après tu le vois à la couleur de toute façon. Si tu vois qu'à 15 heures elle est dégueulasse, mais tu la dégages. Ça tu vois marche. Le truc. Okay. Et après si tu roules genre. En mode balade, tu vois, comme je fais des fuck just enduro et tout, qu'on tire un peu dedans, moi je fais 10 heures. Ok, ça marche. Donc voilà. Elle est un peu sale, mais. T'as une paire de jantes toutes neuves, y'a pas une rayure. Elle est magnifique quand même. Y'a pas une rayure, la ligne FMF, elle a genre. Je sais pas, elle doit avoir. Ouais, parce qu'avant t'étais en fresque. Elle doit avoir 15 heures. Y'a rien de particulier, ça c'est ta courbe d'allumage. Ça c'est la, en sec, donc c'est plus violent en haut. Mais tu le sens pas énormément, mais quand même. Ouais. C'est plus violent en haut et tu perds en bas régime. Moi je roule tout le temps en mode pluie. Ok. Donc tu vois en mode pluie, bon là t'as ton. Ça change ton vraiment ou. Ouais, c'est plus violent au régime, ouais. Là t'as ton mode de court-circuit. Okay. Ça c'est pour purger les fourches. Il faut le faire toujours avec les fourches levées. D'accord, donc je le mets sur le socle et ensuite tu appuies et ça purge. Si tu veux un kit déco ou quoi un jour, ça c'est une plaque de gaz-gaz 2018. Ça c'est un garde-boue de gaz-gaz 2018. J'ai les créations si tu veux, il les a tous. Ouais, il a tous les. De toute façon tu lui demandes pour ma moto, il aura. Regarde, il est tout neuf le pneu. Pour 20 balles. Les plaquettes. Ça fait chier un peu le pneu là. J'ai changé les plaquettes. Okay, l'avant, ils sont bien. T'as rien à faire. C'est qu'il y a 200 que vous avez déjà. Mais bon courage hein. Bon franchement te fais pas trop peur. Ouais je vais essayer, ouais, ça va être compliqué parce que passer d'une 50 à 300 gaz-gaz, bon bah ouais. C'est y a un gros changement. Au moins quand t'auras le permis là. On va repartir avec ça. Ouais. Mais ça c'est fiable hein. Ouais. Plus le temps de tout. Ah, tiens,